Bonjour, bonjour tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. C'est Eritor, votre humble serviteur. J'espère que mes abonnés, tous mes abonnés des quatre coins du monde vont très bien. Et j'espère aussi que vous suivez à la lettre toutes les consignes de trucs préventifs contre le coronavirus. En tout cas, que Dieu nous assiste, que Dieu nous aide, que Dieu nous protège. Cette vidéo-là, c'est pour parler un peu de tous ces événements annulés à cause, oui, à cause de ce virus-là, à cause de cette pandémie-là, oui. C'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Et je vous demande de regarder intégralement la vidéo parce qu'il y a une surprise pour l'artiste Petit Denis que vous allez, on va dire, que vous allez lui envoyer. Voilà, je sais qu'elle va lui plaire. Je compte vraiment, vraiment sur tous mes abonnés pour partager ce direct-là au maximum pour que vous l'envoyez à Petit Denis de manière directe ou indirecte, soit dans son inbox, mais envoyez-lui cette vidéo-là. Il va écouter ce bel hommage rendu par un de ses plus grands fans. Il sera agréablement surpris et vous-même vous serez agréablement surpris. On se prend après le générique, les amis. Bonjour tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. C'est votre humble serviteur Eritor. En tout cas, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis, si tu es content, lâche-moi un pouce bleu, partage. J'aime quand tu te rends bébé. Voilà, bon retour les amis, bon retour. Vous connaissez hein, actuellement l'artiste du moment au Bénin, c'est First King. Voilà, je vais jamais me fatiguer de vous dire, de donner de la force à cet artiste-là parce que franchement, c'est l'étoile montante, j'ai dit vraiment très très montante de la musique béninoise et qui cherche à s'imposer même en Afrique. Franchement, il a la carrure pour, il a le talent pour et il a le staff pour. Big up à Boss Forever Empire, son label. Franchement, merci pour ce gros boulot que vous avez fait pour ces artistes béninois et bientôt, ils vont élargir les horizons au reste du monde. Franchement, continuez à soutenir First King parce que son lien est toujours dans mes vidéos. Le lien de son dernier clip, Manyanya, est toujours dans mes vidéos dans la description. Donc je compte vraiment, vraiment, vraiment sur vous. Voilà, comme je vous disais, avant qu'on parle de tous ces événements annulés, ces grands événements-là, je vous ai dit, je vous en supplie, regardez intégralement cette vidéo. Je sais de quoi je parle. Vous n'allez pas le regretter. Vous n'allez vraiment, vraiment pas le regretter. Écoutez ce que j'ai à dire sur les différents événements annulés et regardez intégralement la vidéo, surtout à la fin de la vidéo, parce qu'on va écouter un morceau ensemble. Vous allez me dire si c'est Petit Denis qui a chanté ou si c'est quelqu'un d'autre qui a chanté, parce que en plus d'être un sosie un peu physique de l'artiste, parce que je le connais personnellement, l'artiste s'appelle Inno Victoire. Franchement, je ferai tout pour que l'artiste là passe au concert de Petit Denis. Je ferai tout. S'il faut que j'entre en contact avec le staff de l'artiste. Franchement, je sais que si l'artiste écoute ce morceau-là, il va chercher à rentrer en contact avec mon artiste Inno Victoire. Franchement, 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 je sais de quoi je parle. Vous ne serez pas déçus. Le même thème vocal, la même manière de chanter. Bref, il a trop fait la talakou de Inno Victoire. Patientez et suivez la vidéo à la fin. Bon, de quel événement parle-t-on? C'est vrai que j'ai une surprise pour Petit Denis, comme je vous l'ai dit en fin de vidéo. Mais c'est avec un pincement que nous avons été obligés, pour ne pas dire le staff de l'artiste et le promoteur qui organise son concert ont été obligés, pas d'annuler le concert, mais de le reporter à une date ultérieure. Franchement, c'est vraiment un pincement au cœur parce que toute la Côte d'Ivoire était prête pour cet événement-là. Parce que c'était une façon à nous de dire merci à Petit Denis de s'être pris en main pour ce qu'on a vu là et ce qu'on continue de voir là, cette pleine forme-là. Nous en sommes tellement heureux. Parce qu'il y a quelques années, c'était pas reluisant, Petit Denis, c'était pas joli à voir, c'était de la tristesse, c'était un gros pincement au cœur. Mais Dieu merci, comme on dit toujours, on va jamais cesser de dire merci à ce monsieur-là, qu'on appelle Dieu. Merci, et il a restauré notre Petit Denis. Et je pense, pour ma part, en plus des tickets déjà achetés, parce que les tickets sont déjà finis, mais on doit faire du surnombre. Franchement, on doit casser le palais de la culture, les amis. On doit casser la culture parce que Petit Denis le mérite. C'est vrai, actuellement, prévention oblige, on a dit vigilance oblige, mais il faut savoir que après la tempête vient toujours le beau temps. Et je pense que le conseil de Petit Denis fera partie de ce bon temps-là. Donc, on prie toujours Dieu, restons toujours en union de prière
Parce que c'est un événement à ne pas manquer. Voilà, à ne pas manquer. Si tu n'as pas encore pris les tickets de Petit Denis, il faut le faire. Il faut le faire et patienter. Lorsqu'on aura la nouvelle date, nous tous, direction Palais de la Culture. Voilà, on va rendre hommage à cet artiste-là. Parce qu'il le mérite vraiment. Voilà. Parce que sans vous mentir, pour certains, Petit Denis, c'était foutu. C'était mort. Mais comme Dieu est Dieu, on dit que c'est Dieu seul qui a donné mort et Dieu l'a restauré. Voilà. Merci encore à Petit Denis pour cela. En tout cas, qu'il ne s'inquiète pas. Après le coronavirus, on va fêter lui au Palais de la Culture. Dangereusement même. Voilà. D'autres événements aussi, pour ne pas dire un événement aussi annulé, parce que je sais que c'est l'artiste Iba One qui va remporter cette édition-là, parce qu'il a pulvérisé la concurrence. Au niveau des votes, je veux dire, au niveau des votes, il a pulvérisé la concurrence. Large écart, large écart, large écart. Mais puisqu'il y a l'avis aussi des membres du jury de Kewale 2019, on attend de voir. Sinon, moi, je suis serein. Moi, je suis très serein. Et c'est dommage, parce que c'est aujourd'hui, normalement, à l'hôtel Sheraton qu'on devait faire cette nuit de remise de prix, voilà, de remise de trophées des artistes les plus influents, voilà, des personnalités les plus influentes au Mali. Mais malheureusement, à cause du coronavirus, on est obligé, voilà, on est obligé d'annuler ces événements-là. Donc, on continue, comme je vous ai dit, hein, en préliminaire de ma vidéo concernant le stade du 26 mars de l'artiste Iba One. Bon, il faut prier Dieu, je pense que c'est seule la prière qui pourra nous permettre de ne pas annuler ce rendez-vous-là, même si la date n'est pas encore connue. Mais on sait que c'est au lendemain de la fête du Ramadan. Voilà. Je prie que le Ramadan, la fête du Ramadan, même c'est vrai qu'actuellement nous sommes en plein carême au niveau des chrétiens catholiques. On continue de prier, on continue de prier. Et je sais aussi que le Ramadan viendra comme une force divine annuler cette psychose-là à cause de ce virus-là. J'ai confiance, voilà, j'ai confiance en ce Dieu-là que nous prions tous. Bon, comme je vous disais, ces événements-là, pour ne pas dire concernant le Kewale 2019, c'est Sidiki Diabaté qui est dans la liste, c'est Gaspi qui est dans la liste, c'est Kanté, le comédien Kanté qui est dans la liste. Franchement, moi je n'ai pas peur parce que je sais que si tout se passe bien, si tout se passe dans la transparence, c'est Iba One qui sera encore lauréat parce qu'il a sorti beaucoup d'œuvres cette année, il a beaucoup tourné cette année. Donc, pour ma part, hein, au regard de ses stades qu'il a remplis et puis ses différents shows à travers le monde, Iba One, je l'emporte largement. Voilà, concernant seulement les Kewale 2019. Et au passage, j'invite aussi tous les abonnés de trucs, comment je dis ça, de l'artiste Iba One à retrouver le lien YouTube de la chaîne de l'artiste. Voilà. Abonnez-vous là-bas. Abonnez-vous massivement là-bas. On doit ramener rapidement l'Empereur Kokoumou à 200 000 abonnés sur YouTube. Voilà. Il faut que l'Empereur Kokoumou soit à 200 000 abonnés avant la sortie de son album. Son album, Mon Empire. Je vous ai déjà dit, et puis je vous préviens encore, tout personne se faisant appeler Gladia doit avoir son CD, doit obligatoirement acheter l'album de son artiste. Donc, mise en garde à tous les Gladia à travers le monde. Je compte vraiment sur vous et que Dieu vous bénisse. Surprise maintenant pour Denko. Ils ont chanté pour le président Félix Fouette Boigny, chanté pour le président Koutou Laurent Gbagbo. Mais moi, une victoire, si c'est Bitbo, j'irai un grand honneur à Petit Denis, capitaine El Capo. Parce qu'on t'aime, t'aime quoi, mais n'a mis à pépé, t'aime pas. Le père d'Eski Kwasi, Boomerang Production. Tu détiens la clé de mon zoulou, improvisation, voyé, n'a pas de secret pour toi. Denko. Tu détiens la clé de mon zoulou, improvisation, voyé, n'a jamais de secret pour toi. Denko. Oh, t'aime ou t'aime quoi, mais n'a mis à pépé, t'aime ou quoi. Les gars, la meilleure manière d'aider son prochain, c'est de le faire lorsqu'il est en vie et non pas à la mort. Venu se jouer aux hypocrites, de faire des fausses promesses ou quoi comme ça. Le père d'Eski Kwasi, Ben Premier,
Olo Pacha, à toute la Chine populaire, merci pour le soutien, on est ensemble. ODMTK, ouais. ODM ou Demko, mais la bia pepe de mon quadé. ODM ou Demko, improvisation wayé. ODM ou Demko, mais la bia pepe de mon quadé. ODM ou Demko, improvisation wayé. Arrangé diamant, studio plus production. Tué, Flamzy coucou, JC Jaguar. Assis au ghetto, à traîner par les maillets. Assis au ghetto, toujours à critiquer les gâteaux là. Assis au ghetto, ceux qui connaissent la vie des gens. Assis au ghetto, ils ne font que parler. Lui là, il est tombé, il ne peut plus jamais se relever. Il est fini, il a perdu sa réputation. Il préfère détruire ceux qui n'ont jamais construit. Jamais. Il préfère démonter ceux qui n'ont jamais fabriqué. Oh, t'aimes ou t'aimes quoi? Mais la bia bébé, t'aimes ou cloate? Oh, t'aimes ou t'aimes quoi? Improvisation, voyez. Oh, t'aimes ou t'aimes quoi? Mais la bia bébé, t'aimes ou cloate? Oh, t'aimes ou t'aimes quoi? Personne au grand cœur, grâce à qui on ne pourra jamais abandonner. Dao Lachan, Joss Medios, Maman Mariam Kone, Solo Béton, Serge Kama, Eriton, merci encore pour le soutien. Sans oublier ces hypocrites